vaillant justicier. Pyjamas. Mission Extra Totem. Une nouvelle mission à bord de l'Extra Totem. Ça va être géant. Et Pyja Robot nous montrera ses dernières trouvailles. Hein, Greg? Greg? Hein? Oui, désolé. C'est juste que Lionel n'est pas comme d'habitude. Peut-être qu'il s'ennuie. Toute la journée dans son vivarium. Ça doit être ça. Il a besoin de sortir. Ah mon grand, ça te dit de nous accompagner pour voir l'extra totem? On fait comme ça. Pyjamask, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit. Amaya devient... Greg devient... Blue! Sacha devient... Yo-Yo! Les Pyjamas! Salut, Pyja Robot. Qu'est-ce que tu fais? Tu améliores l'extra totem pour qu'il soit absolument parfait. Il ne nous manque plus qu'une mission spéciale pour pouvoir l'utiliser. Regarde qui est là, Pyja Robot. Lionel va te tenir compagnie. La bibliothèque, il s'y passe quelque chose. Tous à l'extra totem. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens toujours pas mieux? Glu-glu, on t'attend. Oh, désolé, c'est à cause de ces grands yeux tristes. Ça me déconcentre. Et pour le nouveau Pyja Scanner. Mais il n'y a rien devant la bibliothèque. C'est peut-être à l'intérieur qu'il se passe quelque chose. Chut. Il n'y a personne. Et tout est bien à sa place. Un cambrioleur qui ne vole rien, c'est quand même étrange. Vous avez entendu? Salut, petit chat. Pourquoi tu miaules? Maintenant, c'est toi qui te déconcentres. J'adore les chats. Ils sont très débrouillards. Comme moi. Je n'ai pas le temps. Je suis en mission. Wow, un détecteur de chaleur et de mouvement. Tu as pensé à tout, Pyja Robot. Lionel est vraiment très agité aujourd'hui. C'est peut-être l'excitation d'être à bord de l'extra totem. Oui, peut-être. Oh hein? Vite, au musée. Je vais jeter un œil. Yo-Yo, rapido! Rien n'a été volé. Il manque juste un os de dinosaure. Mais pourquoi l'avoir laissé ici? Oh, chut, écoutez. Un oiseau, juste là. Qu'est-ce qu'il fait debout au milieu de la nuit? Tu veux qu'on enquête? Pas la peine. Il cherche sûrement des brindilles pour son nid. Cui, cui, cui. Regarde que sorceline t'apporte.
Bibou, est-ce que c'est normal qu'un oiseau se lève en pleine nuit pour construire son nid? Pas vraiment, mais... Chaque chose en son temps. Occupons-nous d'abord d'attraper le voleur. J'y pense parce que Lionel est vraiment bizarre. Et il y a eu ce chat aussi. Une alerte? C'est le magasin de jouets. Allez, Pigeon Robot, on fonce! On a encore raté le voleur. Des petites voitures ont disparu de ce présentoir. Attendez, c'est quoi ça? Bork! Ça sent comme les friandises pour animaux. Cette mission est de plus en plus étrange. Une minute, un lézard, un chat, un oiseau. Ce ne sont pas n'importe quels animaux. Ce sont nos pigeons-animaux. C'est peut-être pour ça qu'ils attirent autant notre attention. Je n'arrête pas de penser à l'oiseau de tout à l'heure. Moi, je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à mon petit Lionel. Ses grands yeux. Mais j'ai aussi comme une drôle de sensation, juste ici. Moi aussi, je sens quelque chose. Moi, pareil. Hein? Lionel n'est plus là. Comment ça se fait? C'est ça, notre mission. Nos pigeons-animaux essayaient de nous dire quelque chose, mais on les a ignorés. Il n'est pas trop tard. Il faut retrouver Lionel et les autres. C'est l'heure d'être de vrais héros. Des héros à l'écoute des animaux. Glu-glu? Patrouille toute la ville. Nous, on essaye de repérer les animaux. Et pour ça, on va employer les grands moyens. Bibou? Je vais utiliser le nouveau pigeon scanner. Excellente idée, Bibou. Moi, je vais allumer le satellite. Bien joué, les amis. Quant à moi, je vais mettre mes glu-glu reptilosens en éveil. Les amis, je capte des miaulements et un chant d'oiseaux dans le parc. Attendez, j'ai autre chose. C'est Sœur Céline. Et elle n'est pas seule. Bon, Pigeon Robot, tu restes ici. Ça peut être dangereux. Qu'est-ce que tu fabriques encore, Sœur Céline? Et où est Lionel? Attends une seconde. Viens, petit lézard. C'est l'heure du goûter. Lionel! Reviens tout de suite! Et notre accord? Vous volez des trucs pour moi contre des friandises! Lionel n'est pas un voleur! Je suis sûre que ce chat non plus! Et toi non plus, pas vrai? Tu as donné des friandises à Lionel hier! Pour l'encourager à voler des choses! C'est pour ça qu'il était nerveux! J'avais besoin de ces bestioles pour me rapporter des choses! Quelques jouets, un squelette de dinosaure pour ma forteresse! Trois fois rien! Mais tu en as déjà des animaux voleurs! Les papy-nuits. Oh, c'est que mes nouveaux compagnons sont bien mieux que ces idiots de papy-nuits. Papy-nuits, pas idiots. Oh, vous êtes là, mes petits papy-nuits. Mais ces petites bêtes-là ne sont pas à toi. Tu n'as pas le droit de les prendre comme ça. Je fais ce que je veux. Motsuki a pris les miennes, moi je prends toutes celles des autres. Papy-nuits choisir Motsuki. Et eux, ils ont choisi d'être avec moi. N'est-ce pas, mes chéris? Si vous ne venez pas, je viens vous chercher. Non! Laisse-les! Ce sont nos pigeons-animaux! Ah oui, pas de chance pour vous. Mais je n'ai trouvé ni éléphant, ni chimpanzé. Papy Nuit de Motsuki, mieux que petite bête ridicule de Sœur Céline. C'est ce que tu crois. Sœur Céline est méchante. Motsuki veut tous les animaux pour les emmener sur la lune. Lionel! Glu-glu méga muscle! Quoi? Toi aussi venir avec Motsuki! Glu-glu! Ça va, je n'ai rien! On arrive à la rescousse! Rends-moi mes animaux de compagnie tout de suite! Oh. Motsuki va emmener tous les pyjamasques sur la lune! Plein de petits compagnons mignons juste pour Motsuki! Comment on va sortir de là? En faisant ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Communiquer avec nos pigeons animaux. Lionel, écoute-moi. Aide-moi. Petit chat tigré, aide-moi. Bel oiseau, écoute-moi. Aide-moi. Tu es prêt?
maintenant, sortons tous de nos bulles. Wouhou ! Wouhou ! Ouais ! Pas si vite, les pigeons casse-pieds ! Ces animaux sont toujours à... Je crois qu'on ne les reverra pas avant très longtemps. Tu as couru comme un tigre. J'étais impressionnée. Maintenant, j'écouterai toujours ce que tu as à me dire. Promis juré. On fait une super équipe tous les deux. Tu veux refaire un tour dans l'extra totem? Mais pas question de toucher à tous les boutons, d'accord? Je te connais bien, Lionel. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas!